La diffusion du deuxième prime des battles de la nouvelle saison de The Voice s'est terminée. Alors, quels sont les candidats qui continuent l'aventure et quels sont ceux qui ont été éliminés? Découvrez le palmarès de cette soirée. Les téléspectateurs ont découvert le second épisode des battles de la nouvelle saison de The Voice ce samedi 22 avril sur TF1. Et si vous n'avez pas pu suivre le prime en intégralité, nous vous proposons un récapitulatif complet du palmarès de cette soirée. The Voice 2023, quels talents ont été sauvés, éliminés ou repêchés pendant la deuxième soirée des battles? Première battle, équipe de Zazie, Robin et Thomas Larose se sont confrontés sur la chanson Il est où le bonheur de Christophe Maé. La coach a décidé de sauver Robin, et Thomas Larose a été repêché par Vianney. Deuxième battle, équipe d'Amel Bent, Cilia et Zoé ont chanté en duo sur le titre Destin de Céline Dion. La coach a décidé de garder dans son équipe Zoé, et Cilia a quitté définitivement l'aventure. Troisième battle, équipe de Big Flo et Oli, Bey et Noshka ont repris le titre La scène de Vanessa Paradis et Mathieu Chédid avec leurs propres arrangements. Les frères toulousains ont décidé de sauver Noshka après cette battle, et Bey a quitté définitivement l'émission. Quatrième battle, équipe de Vianney, Morgane, Lola et Maxence ont interprété en trio la chanson Qui a le droit de Patrick Bruel. À l'issue de cette battle, le coach a décidé de garder Lola, et Morgane et Maxence ont définitivement quitté le programme. Cinquième battle, équipe de Zazie, Max Novitch et Smé ont chanté à l'unisson sur le titre Sign of the Times du chanteur Harry Styles. La coach a décidé de garder dans son équipe Max Novitch, et Smé a quitté définitivement l'aventure. Sixième battle, équipe de Vianney, Marilyn et Kiona ont repris la chanson Tournée dans le vide de la chanteuse Inodila. Le coach a décidé de sauver Kiona, et Marilyn a été repêchée après sa prestation par Zazie. Ludmila qui a été sauvée temporairement par la coach a donc définitivement quitté The Voice. Septième battle, équipe d'Amel Bent, Micha et Abraham se sont confrontés sur le titre Alter Ego de Jean-Louis Aubert. À l'issue de leur performance, la coach a décidé de garder Micha dans son équipe, et Abraham a définitivement quitté le programme. Huitième battle, équipe de Big Flo et Oli, deux groupes se sont affrontés pendant cette battle. Doya et Los Maluno ont chanté Ingo Bernablé de C. Tanegana, Gypsy King, Nicolas Reyes et Tonino Baliardo. Ils ont décidé de garder les sœurs du groupe Doya, et Amel Bent a repêché Los Maluno. Awan qui a été sauvé temporairement par la coach a donc définitivement quitté l'émission. Neuvième battle, équipe d'Amel Bent, Julia Falcon et Megan ont interprété en duo le titre Memory de Barbara Streisand. La coach a décidé de garder dans la compétition Julia Falcon, et Megan a définitivement quitté The Voice. Dixième battle, équipe de Zazie, dans la dernière battle de la soirée, Jade et Ivan P ont repris la chanson Je te promets de Johnny Hallyday. Et la coach a gardé pour la suite de l'aventure Ivan P, et Jade a donc définitivement quitté le programme. À lire aussi The Voice, quels candidats ont été sauvés et éliminés à l'issue de la première soirée des battles? But there's all times through the rough times I think you can let me know.
agneaux.